théâtre maintenant. C'est la deuxième fois après Tailleur pour dames qu'Emmanuel Devos et Pierre Arditi sont ensemble sur scène. La pièce Quelque part dans cette vie est d'Israël Horowitz, adaptée par Jean-Loup Dabadi. Bernard Murat la met en scène à Édouard VII. L'histoire d'une rencontre improbable, un peu mystérieuse, entre deux êtres que tout oppose. Un ancien professeur bourru, amer, face à une jeune femme modeste, maladroite. Comment le duo fonctionne-t-il? La réponse avec Sabrina Gedge. On le fait ensemble? Allez, 1, 2, 3. C'est au théâtre Édouard VII que l'on retrouve Emmanuel Devos aux côtés du très habitué des planches Pierre Arditi. D'un côté, Jacob Brackish, un vieux professeur misanthrope, et de l'autre, sa gouvernante Kathleen Hogan, sensible et maladroite, qui vient perturber son existence réglée comme une horloge. Il paraît que dans le cercueil, les vers entrent, les vers sortent. Le nez devient comme de la pâte à modeler. Les yeux se cassent la gueule. Kathleen, arrêtez, franchement, ça suffit. Les deux complices sont visiblement ravis de se donner la réplique. Moi, ça fait 10 ans depuis que j'ai joué Tailleur pour dames avec Pierre. J'avais envie de rejouer avec Pierre. Oh, Suzanne. Donc je suis contente que ce vœu se soit réalisé. Ce garçon ne me déçoit pas. Chaque soir, c'est un... Ça va pas durer, mais... Le problème avec un mort, c'est qu'il vous répond rien. Un homme normal, s'il vous répond rien, vous pouvez toujours lui faire... si je t'emmerde, tu le dis. On est un vrai couple de théâtre, un vrai couple d'acteurs. C'est délicieux quand on reçoit quelque chose de l'autre qu'on n'a pas encore ni vu, ni entendu, ni vécu. Et ça arrive, honnêtement, très, très souvent depuis qu'on joue. On est géniaux. N'écoutez pas cet homme. Cet homme est fou. C'est fini, mais c'est fini. On a donc voulu savoir si à deux, c'était mieux. C'est vrai que le duo, il y a quelque chose de réconfortant quand ça se passe bien. Les deux sur notre île déserte, il y a un côté un peu assez agréable, ouais. On peut toujours dire qu'on peut bien jouer même quand on est en face de quelqu'un qu'on n'apprécie pas. À mon avis, ça n'est pas possible vraiment. Non, je ne le crois pas. Parce qu'il y a un moment donné, on est quand même là, qu'on le veuille ou non, pour se marier. Bah, Pierre gère bien mon trac. Ça le fait rigoler. Je l'amuse. Je l'amuse, je la détends. Quand je sens que mon imaginaire pourrait être en panne ou qu'il se fatigue, un truc comme ça. Je me plonge dans les yeux de l'autre, c'est-à-dire de la petite camarade qui est là, et c'est fini. Évidemment, Poiret et Serrault. La fausse rumeur veut que Michel soit le plus drôle et que Jean soit un clown blanc qui renvoie les balles. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ils étaient à la fois contraire et complémentaire. Tu veux vraiment me reléguer à le fils, hein? Si tu avais épousé une femme qui boit, tu ne la ferais pas passer pour ta bonne, alors? Oui, mais ce serait une femme. Or, dans un foyer, vis-à-vis des gens, une pocharde est plus présente à table qu'un pédéraste. Voilà. Leur vertu, c'est qu'ils n'ont jamais essayé de bouffer la peau de l'autre. Ce qui, heureusement, d'ailleurs, est tout à fait notre cas. Ce qui aurait été bien de faire, c'est la mégère apprivoisée. C'est un couple de théâtre. J'adore ce couple-là. Ah oui, oui, ça c'est très beau. C'est oui, bien. Bien sûr, oui. Ça faille être oui, bien. Oui, oui, oui. Coche ! Doucement, beau galant. C'est là tout ton amour. Quand on frappe une femme, on n'est pas gentilhomme. Il y a un truc qui est formidable. Je l'ai vu avec Pierre Brasseur et Maria Cazares. C'était charmanteur. C'était absolument magique parce que c'était deux immenses acteurs et qu'ils étaient au théâtre comme chez eux. Cazares Brasseur, ça devait être fou. Vous me harcelez sans cesse pour savoir pourquoi vous ne pouvez pas publier ces lettres. C'est exactement comme si vous me demandiez pourquoi vous ne pouvez pas être pickpocket ou faire le trottoir. Je suis tellement ivre de colère devant votre ignoble impudence que je ne sens pas la gifle de vos insultes. Il faut s'accorder. Mais on a un rythme assez similaire. Oui. Et ça veut tout dire, hein. Avoir le même rythme. C'est pas évident d'avoir le même... Non. De s'accorder au rythme d'un autre acteur. C'est moi, très j'ai difficile. J'ai des souvenirs épouvantables comme ça d'acteurs qui suivent pas, quoi. J'ai l'impression, hein, on passe très rapidement d'un état à un autre.
du rire aux larmes, bim, boum, ça se fait très, très rapidement. Et très naturellement, oui. On ne se complète pas. On s'en va... Oui, c'est merveilleux. On est tellement formidable. On est tellement merveilleux. C'est vraiment l'interview des deux personnes tellement contents de... Les gens, ils vont dire, mais c'est deux crêtes. Hein, on n'ira jamais voir ces deux crêtes. Et la pièce s'appelle « Quelque part dans cette vie ».